Bonjour, bienvenue à notre cours de français B2. Je suis Chen Zhiyu. 大家好，欢迎大家来到我们欧标法语 B2 的课程。我是陈之瑜。今天我们要讲的是 Exercice de compréhension orale 9 综合听力训练第九讲。首先，按照惯例，先给大家几分钟时间阅读题目。题目阅读完毕。Alors, écoutez deux fois l'enregistrement et répondez aux questions. 接下来就让我们听两遍录音，完成题目。第一遍录音，开始。L'action du DAL. Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, en ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi.Selon le DAL, les manifestants venaient demander au directeur de cet hôtel de luxe, situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, de réserver chaque jour une chambre pour une famille à la rue à compter du 2 janvier. Ils ont été violemment repoussés par la police et 3 manifestants auraient été blessés. Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel,lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris, sont intervenus pour en dégager l'accès et maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments. Les manifestants emmenés par le DAL font partie des 500 familles mal logées pour lesquelles le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, s'était engagé à trouver une solution le 22 octobre. Le ministre s'était engagé ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles,hébergé en Ile-de-France en hôtel, centre d'urgence ou simple préau d'école, à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère. Lundi, le ministère avait affirmé avoir relogé 31 familles et lancé le relogement de 115 autres. Le ministre doit recevoir le DAL début janvier pour faire le point sur tous les dossiers qui lui ont été remis par l'association et travailler sur une convention d'objectifs pour l'avenir.录音结束，三分钟时间答题。答题完毕，第二遍录音开始。L'action du DAL. Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris,en ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi. Selon le DAL, les manifestants venaient demander au directeur de cet hôtel de luxe, situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, de réserver chaque jour une chambre pour une famille à la rue à compter du 2 janvier. Ils ont été violemment repoussés par la police et 3 manifestants auraient été blessés. Selon la préfecture de police,Les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel, lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris, sont intervenus pour en dégager l'accès et maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments. Les manifestants emmenés par le DAL font partie des 500 familles mal logées pour lesquelles le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, s'était engagé à trouver une solution le 22 octobre.Le ministre s'était engagé ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles hébergées en Ile-de-France en hôtel, centre d'urgence ou simple préau d'école à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère. Lundi, le ministère avait affirmé avoir relogé 31 familles et lancé le relogement de 115 autres. Le ministre doit recevoir le DAL début janvier pour faire le point sur tous les dossiers.Qui lui ont été remis par l'association et travailler sur une convention d'objectifs pour l'avenir. 录音结束，请各位同学在五分钟之内完成所有的题目。
答题结束。这堂课的听力内容主要是关于居住权利协会的行动。那么他们的行动是成功还是失败，遭到了怎样的一些波折情况呢？让我们一起来详细看听力材料内容。Lection du DAL。 首先，当我们在听标题的时候听到 DAL 这样的一个陌生单词的时候，我们先不要着急，因为在课文当中一定会具体表明什么是 DAL。 Qu'est-ce que c'est? Lection 没有问题，是行动的意思。好，让我们一起来看一下在课文当中的第一句话。Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement, DAL, qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, en ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi. 第一句话完全告诉大家到底发生了什么事情，什么时候发生的这件事情，在哪个地点发生的，情况怎样。好，让我们具体来看一看这句话的意思。星期天下午，几十名住房条件恶劣的居住权利协会积极分子试图占领位于巴黎协和广场上的克里温饭店，但遭到治安警察的阻止。人物是 Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement。Plusieurs dizaines 是几十名的意思。Mal logé et militant, mal logé 是 mal logé, 指的是居住条件差的这一群人。他们是 militant de droit au logement。Militant 在这里各位同学要注意，往往指的是工会、政党等的一些活动分子。那么在这里是哪一个协会的积极分子呢？是 droit au logement。好，这正是 DAL 的全称，指的是居住权利协会。另外，从语法中我们要注意的是 Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement。 这句当中的 mal logé 和 militant 指的是相同的人，因为名词 militant 之前只有一个表示它与 mal logé 并列的连词 A, 而没有其他任何限定词，也没有重复介词的，因此 mal logé 和 militant 两者是同位语，指的是同一群人，所以在这里是几十名住房条件恶劣的居住权利协会的积极分子。这一部分是指事件的人物。接下来我们看一下具体事件是什么呢？ qui cherchait à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde。他们试图占领位于巴黎协和广场上的克里温饭店。 Chercher à 指的是试图做某事， Occuper 是占领， L'hôtel Crillon 克里温饭店，这个饭店处于 Place de la Concorde à Paris。 Place de la Concorde 是协和广场，在巴黎，这是他们所要做的事情。那么最终这一群人的结果是怎样的呢？En ont été empêchés par les forces de l'ordre. Ont été empêchés 是一个被动态，被阻止。这个 empêcher 动词不定式的用法是 empêcher quelqu'un de faire. 所以 de faire 我们在句中用 on 这个代词代替了。那么被谁阻止呢？ Par les forces de l'ordre. 请注意了， forces de l'ordre 在这里指的是治安警察的意思。好，这是事件的结果。那么事件发生的时间是什么时候呢？ Dimanche après-midi, 周日下午。另外，根据课文所发生的时间，我们用的时态表明这里的周日下午是上周日下午的意思。好，这是听力录音的第一句话，把我们整个这句话主要的信息都已经给各位同学传达了。所以后面的听力内容都是在这一句话的主要信息内容上面所展开的，希望各位同学能够进一步把握具体内容。当然后续部分我们在做听力的时候也可以猜测到为什么这一些居住权利协会的积极分子要采取占领克里温饭店的这样的行动呢，以及政府对于他们的解决措施有哪些？我们要带着这些问题继续往下听。Selon le DAL,
les manifestants venaient demander au directeur de cet hôtel de luxe, situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, de réserver chaque jour une chambre pour une famille à la rue à compter du 2 janvier. 据居住权利协会说, 示威者们要求这家具美国大使馆咫尺之遥的豪华饭店经理从1月2日起每天为一户流落街头的人家保留一间房间。Selon le DALLE, selon 是依据, 按照的意思, les manifestants 就是这些示威者, venaient demander, 他们是来要求, au directeur de cet hôtel de luxe, 这是一家, 豪华酒店 luxe 原意指的是奢华的豪华的意思 豪华酒店的经理 那么这一个酒店是 situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis 各位同学要注意了 为什么这些示威游行的人要选择这一家饭店呢 首先它是 un hôtel de luxe 是一个豪华酒店 另外它是在巴黎的一个市中心 à la place de la Concorde 巴黎协和广场上 Situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, deux pas 原意是两步的意思, 那么在这里指的是非常近的意思, 那么他们还要产生一定的影响, 他们距离美国大使馆咫尺之遥非常的近, 另外 demander这个词要求的用法是 demander à quelqu'un de faire, 要求某人做某事, 那么做什么事情呢? De réserver chaque jour, 每天保留 une chambre, réserver une chambre, 预定预留一间房间, pour une famille à la rue, 这个指的就是流落街头的一个家庭, 自什么时候起呢? 请各位同学注意, à compter de, 相当于 à partir de, 或者是 de 这样的意思, 自 du 2 janvier, le 2 janvier 是1月2日的意思, 所以在这里 à compter du 2 janvier 是自1月2日起, 这是示威者的要求, ils ont été violemment repoussés par la police, et 3 manifestants auraient été blessés. 那么这些示威者的行为遭到了怎样的回应呢? Ils ont été violemment repoussés 是 他们被警察粗暴地赶了出来, violemment 是粗暴的暴力的意思, être repoussé 是被赶出去的意思, par la police 是我们刚刚说的, les forces de l'ordre 治安警察, 另外还有, et 3 manifestants auraient été blessés, 另外有3名示威者可能受伤, 在这里为什么要加上可能这两个词? 因为我们看到用的是 aurait été blessé 这样一个条件式, 表示可能性. 下面一句, Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel, lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris, sont intervenues pour en dégager l'accès et maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments. 而巴黎警察局则称, 治安警察负责保护美国大使馆和克里温饭店的安全。 克里温饭店是许多外国要人访问巴黎时的下榻之处, 他们之所以介入是为了保障通道的畅通, 并在两幢大楼之间辟出一个安全的区域。 这一句话的难点是在于有相当多的补充说明的内容,让我们一起来看一下。首先, selon la préfecture de police, préfecture 指的是警察署, 警察局的意思。 那么,据巴黎警察局称, les forces de l'ordre 刚刚已经给大家解释过是治安警察的意思, 这些治安警察的责任是, qui assure la sécurité, 确保安全, assurer la sécurité. De l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel. 他们是确保美国大使馆和这一家宾馆安全的治安警察. 这一句听力当中, La sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de, 在这里的 celle 指的同样是 la sécurité, 也就是这个宾馆的安全. 另外我们听到的是紧跟在 celle de l'hôtel,
lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris. 这一家 l'hôtel 宾馆是什么样的一个地点呢 ？lieu 首先它是一个下榻之处 ，lieu de résidence。居住在这一家宾馆的客人是谁呢 ？Personnalités étrangères， 请各位同学注意了 ，personnalité 我们一般指的是政要、要人、名人的意思。Personnalités étrangères 外国要人，他们来到巴黎是 en visite， 是来访问的啊，巴黎。所以这部分内容是对于 l'hôtel 的一个补充说明。好，接下来句子的真正谓语动词是 les forces de l'ordre sont intervenues， 在这里他们介入是为了做什么样的事情呢 ？Pour en dégager l'accès。他们之所以介入是为了确保通道的畅通，在这里 dégager 指的是使畅通的意思， l'accès 是通道的意思，在这里的 on 指的就是两个建筑物出入的畅通。 Et maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments， 另外他们还要保证两幢大楼周围一个安全的区域。Maintenir 是维持的意思， périmètre 是区域的 sécurité 安全的。Autour des deux bâtiments, deux bâtiments 我们指的就是 l'ambassade des États-Unis 美国大使馆以及这家 l'hôtel Crillon 这家克里温酒店。Les manifestants emmenés par le DAL font partie des 500 familles mal logées pour lesquelles le ministre délégué à la ville Jean-Louis Bourleau s'était engagé à trouver une solution le 22 octobre. 这句话的意思是这些随居住权利协会前来的示威者分别来自500个居住条件恶劣的家庭。10月22日城市事务部长及代表让路易·博尔卢曾保证要为他们找到一个解决办法。Les manifestants 指的就是示威者 emmenés par le DAL是被这个居住权利协会所带来的人 ，omni galgan 把某人带来 ，font partie de faire partie de 指的是属于哪一部分的意思。那么他们是属于 500 familles mal logées 500个居住条件恶劣的家庭。pour lesquelles 对于这500个家庭 ，le ministre délégué à la ville 这句话当中。Le ministre délégué à la ville 指的是城市事务部长级代表。这个代表的名字是 Jean-Louis Bourleau， 让鲁伊·博尔卢。他曾向这500个居住困难的家庭保证约定在这里 c'était engagé à， 3engagé à 就是保证约定的意思。为他们要做怎样的事情呢 ？Trouver une solution。来找到一个解决办法，什么时候做的保证？约定 le 22 octobre 10月22日。所以在这句话当中，我们看到了一个关系从句 pour lesquels。我们说这里的 lesquels 指的就是 500 familles mal logées 的意思。好，下面一句 ，Le ministre s'était engagé ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles hébergées en Île-de-France en hôtel。Centre d'urgence ou simple préau d'école, à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère. 在那天，这位部长级代表在居住权利协会在其办公大楼院子里举行的示威结束时，许诺要在圣诞节之前重新安置500个居住在巴黎大区旅馆、救济中心或学校操场上的家庭。Le ministre s'était engagé, 刚刚已经提到了，这里的 le ministre 就是部长级代表。s'était engagé à 保证 ce jour-là, 请各位同学注意了 ,ce jour-là 同样指的是 le 22 octobre, 10月22日。所以在那天这一位部长级代表还说到约定到啊 ,reloger,reloger 指的是重新安排提供住所的意思。时间是 avant Noël 了，在圣诞节之前。Reloger 500 familles 重新安置这一些500个家庭。这些家庭现在居住在哪里呢 ?Héberger en Île-de-France en hôtel。他们分别是居住在巴黎大区旅馆。另外有 Centre d'urgence,
救济中心 ou simple prix d'école. 学校操场上的这些家庭 什么时候向他们做的保证呢? À l'issue d'une manifestation du DAL. À l'issue de 是 à la fin de 的意思。 在什么结束之后? Une manifestation du DAL 是 居住权利协会示威之后 他们在哪里示威的? Dans la cour de son ministère. 在他的办公大楼院子里 La cour 指的是大院的意思。 好,所以这一部分的句子,请各位同学一定要注意他们之间的关系。主要要找的内容是人物、时间、地点和事件。另外,如果从语法上我们要找的是主谓宾这样最主要的信息内容。好,接下来我们看看下面一句话。 Lundi, le ministère avait affirmé avoir relogé 31 familles. Et lancer le relogement de 115 autres. 星期一, 城市事务部宣称已安置了31个家庭, 并已开始另外115个家庭的安置工作. 在这句话当中, 时间是 lundi, 主语 le ministère, 城市事务部, avait affirmé, 宣称, 在这里是谓语动词, Avoir relogé 已经安置了31个家庭 et lancer le relogement 指的就是发起从事还将开始重新安置工作 共有多少家呢? 115家 其他的家庭 Le ministre doit recevoir le DAL début janvier pour faire le point sur tous les dossiers qui lui ont été remis par l'association et travailler sur une convention d'objectif pour l'avenir. 这位城市事务部长级代表应在1月初接见居住权利协会，对该协会向他提交的所有材料进行总结，并制定一个有关未来目标的协议。通篇说到这里，很多同学会说， 为什么 le DAL 也就是 trois au logement 陈老师会将其翻作为协会呢? 因为我们听到听力材料的最后一句话已经给各位同学表明这是一个 association 所以它是一个协会。我们来看一下 le ministre 指的就是 Jean-Louis Bourlon 这一位城市事务部长级代表。他 recevoir 是接待的意思。 Le DAL début janvier, 他应在1月初接见居住权利协会。在这里请同学要注意了 début janvier 这样的一个时间表达指的是1月初。在现在越来越多的法国人在表示时间或地点时都习惯省略介词和冠词这样的用法。在这里 début janvier 指的就是1月初的概念。那么 时间是1月初, 为什么要接见? Pour faire le point sur tous les dossiers. 请同学注意, faire le point 指的就是总结的意思。 Sur tous les dossiers, 关于所有的文件, 这些文件是 qui lui ont été remis par l'association, 是由这个协会向他提交的。 这里, qui lui 指的就是这个 au ministre, 这一位部长级代表人物。 Et travailler sur une convention d'objectif pour l'avenir. 另外, travailler sur 就是就什么内容而进行研究工作的意思。 那么在这里是制定一份convention协议。 这个协议是 objectif pour l'avenir, 有关未来目标的协议。 Objectif 在这里是目标的意思。好,整篇的听力材料内容给各位同学详细的分解了。 那么在分解当中也有提到一些具体信息内容和我们的题目相关的，希望各位同学能够对整篇听力材料内容有更详细、更好的理解。好的，那么接下来让我们一起来看一下题目。第一题 Choisissez la signification qui convient le mieux au texte. 根据课文的内容选择最恰当的同义词词组。第一题 Famille à la rue 流落街头的家庭指的是啊 famille sans domicile fixe 那些没有固定住所的家庭。第二题
personnalité. 刚刚在课文解释的时候，我已经提到 personalité 指的是那些名人、政要、要人的意思，所以我们根据这个意思应该选择 des personnes ayant une haute fonction， 他们是具有一定高官权力的这些人。第三题，案例序的讲解课文的时候也有提到在什么结束之后，所以应该选的是 à la fin 的。第四题 faire le point 在这里指的是总结的意思，所以应该选择的是 faire le bilan， bilan 是总结报告的概念。这是第一题同义词的选择。接下来我们看一下第二题，判断正确与否， dites vrai ou faux。 Le DAL a organisé dimanche une manifestation à l'hôtel Crillon。 周日居住权利协会在克里温酒店进行了示威，这一题是正确的 c'est vrai， 因为在课文当中我们有听到 plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi， 也就是听力材料的第一句话。在第一句话当中，主语人物是这一些居住条件差的居住协会的积极分子，动作他们做的事件是试图占领，那么在这里指的就是 manifeste 示威的意思。那么他们的时间是 dimanche après-midi 周日的下午，所以根据这部分的内容，我们第一句话判断为正确 c'est vrai。 第二句 l'hôtel Crillon est un hôtel de luxe qui se trouve à la place de la Concorde et qui accueille surtout les personnalités américaines en visite à Paris。这一句话很明显是错误的 c'est faux。 错误的内容不在于前半段，因为前半段确实我们说克里温酒店是一家豪华型酒店，位于巴黎协和广场。错误在于后半句，他所接待的是政要 les personnalités 这些要人，但是并不仅仅是 américaine 美国的要人，而是外国的Les personnalités étrangères en visite à Paris， 他们来访问巴黎的这些外国政要们，所以 américain 呢错误，因此这一题判断为 faux， c'est faux。 第三题 Les manifestants ont demandé au directeur de l'hôtel Crillon d'héberger une famille à la rue le 2 janvier。 这一句话有一定的迷惑性，看似是正确的，但是事实上请各位同学要注意，在时间方面它的表达是有错误的，因为这些示威者他们确实是要求这一家克里温酒店的经理能够提供住所，但是提供住所的内容和时间则是 réserver chaque jour une chambre， 首先是每天要保留一间房间 pour une famille la rue 给这个流落街头的家庭。另外要注意的是，时间不是只有一天1月2号，而是自1月2日起的每一天，所以在这里应该课文当中我们听到的是 à compter du 2 janvier， 所以这一题判断为错误 c'est faux。 第四题 Mais l'action des manifestants a été empêchée par les gardiens de l'hôtel。这句话同样是错误的，前半部分是正确，因为示威者的行为被阻止了。L'action des manifestants a été empêchée， 完全正确，但是不是被酒店的保安所制止的 par les gardiens de l'hôtel， 而是 par les forces de l'ordre， 是治安警察所制止的、所阻止的，所以这一题是错误的 c'est faux。 第五题Avant la manifestation à l'hôtel Crillon, le DAL en avait déjà organisé une autre dans la cour du ministère. 在这次克里温酒店示威之前，居住权利协会已经组织过一次示威，在城市事务部办公大楼院子里进行。所以在课文当中我们有听到过这样一句话 à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère。阿里叙德是在什么结束之后，
在 une manifestation du DAL 居住权利协会的示威之后，这个居住权利协会的示威正在 dans la cour de son ministère 办公大楼的院子前进行。因此，对于这一部分听力内容的判断，我们第五题应该是正确的 c'est vrai。好，这是五道判断题。接下来，让我们看一下第三题选择题 choisissez la phrase correcte 选择正确的句子。第一题。Le DAL est une association qui protège. DAL 是怎样的一个协会？它是为了保护，我们应该选择的是 C, les familles mal logées, 那些居住条件恶劣的家庭。尤其要注意的是，这个协会它是保护的家庭，以家庭作为单位的。所以 they, les personnes sans domicile fixe, 那些没有固定住所的人是错误的。因此这一题是 C。第二题 Dimanche dernier, le DAL a organisé une manifestation à l'hôtel Crillon qui se trouve tout à près de l'ambassade en France. 这一题在课文当中反复出现了一个国家，应该选择的是 A, des États-Unis, 因为我们在课文里听到这样一句话 Cet hôtel de luxe, situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, 这一家豪华型酒店正是位于美国大使馆的附近，所以这一题我们应该选择的是 A 这个选项 qui se trouve tout à près de l'ambassade des États-Unis en France。 第三小题 Les manifestants ont eu un conflit avec les forces de l'ordre et il y aurait trois blessés dans le conflit。 示威者和治安警察发生了冲突，并且在这起冲突当中可能有三名怎么样的人受伤 blessing 呢？我们同样应该选择的是 A 这个选项 Il y aurait trois manifestants blessés dans le conflit。 那么这一题我们在课文当中的这一句话是可以判断出来的 Ils ont été violemment repoussés par la police et trois manifestants auraient été blessés。所以这一题选择的是 A manifestant 受伤的是这些示威者。第四题 Laquelle des explications suivantes n'a pas été, selon la préfecture de police, la raison qui a poussé les forces de l'ordre à intervenir? 据巴黎警察署称，以下选项当中哪一个不是推动治安警察参与到这一起示威游行冲突当中的理由？应该选择的是 D 这个选项 Chasser les manifestants qui réunissent devant l'hôtel。 这些治安警察的出动并不是为了驱赶那些聚集在宾馆前的示威者，所以这个原因是错误的。那么为什么在这一起示威当中需要有治安警察的介入，他们为什么要出动呢？在课文当中我们听到这一些原因，最主要的第一个是 pour en dégager l'accès， 为了确保美国大使馆和这家宾馆通道的畅通，也就是 B 这个选项 dégager l'accès de l'ambassade et de l'hôtel。 另外在听力当中我们还听到 maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments，确保两个建筑物周围区域的一个安全。所以这是相对应的 C 这个选项 maintenir un espace de sécurité entre l'ambassade et l'hôtel。 另外我们还听到的是 les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel。 所以这对应的应该是 A 这个选项Assurer la sécurité de l'ambassade et de l'hôtel。 因此 A、B、C 我们在听力当中都有听到这些治安警察他们的主要职责是什么，为什么他们要参与介入到这一起示威游行当中，而得驱散这些示威游行的人是没有提到的，所以我们应该选的是 得 这个选项，不属于他们介入的理由条件当中。第五题，Quand Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville, s'est-il engagé à reloger 500 familles parisiennes? 什么时候 Jean-Louis Borloo, 这一位城市事务部长级代表，
约定要重新安置这500个居住恶劣的巴黎家庭呢？应该是 D 这个选项。Le 22 octobre, 我们听到的是这样一句话 Le ministre s'était d'engager ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles. 在这句话当中关键信息是 ce jour-là, 在解释听力材料的时候陈老师说到这里的 ce jour-là 指的就是前面这一句C'était engagé à trouver une solution le 22 octobre, 10月22日。另外要注意的是 ,reloger avant Noël 500 familles, 重新安置提供住所给这500个家庭。这500个家庭是 hébergé en Île-de-France, 他们是在巴黎的。所以我们这一题应该选择的是 D 这个选项 le 22 octobre。好，五道选择题也给各位同学讲解到这里。那么接下来让我们来看一下第四题 répondez aux questions 需要各位同学用自己的语言来回答题目。第一题 L'hôtel Crillon se trouve 克里温酒店位于我们根据听力的内容应该是首先 qui se trouve à la place de la Concorde à Paris 它是在巴黎的协和广场另外我们还要补充到 à deux pas de l'ambassade des États-Unis 是在美国大使馆的附近。第二题 Qu'est-ce que c'est DAL? 这个协会的全称应该是 droit au logement 居住权利是这样的一个协会。好我们两道回答问题的题目就做到这里那么这一部分也可以提醒大家我们在上述的题目当中也可以寻找答案帮助大家来回答这样两道需要各位同学自己组织用法语来回答题目的内容好的那么这是我们整个这一篇课文的听力讲解以及题目的分析今天的课又将接近尾声了再重新听一遍录音帮助大家来提高自己的听力技能。L'action du DAL Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, en ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi. Selon le DAL, les manifestants venaient demander au directeur de cet hôtel de luxe, situé à deux pas de l'ambassade des États-Unis, de réserver chaque jour une chambre pour une famille à la rue à compter du 2 janvier. Ils ont été violemment repoussés par la police et 3 manifestants auraient été blessés. Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel, lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris, sont intervenues pour en dégager l'accès et maintenir un périmètre de sécurité autour des deux bâtiments. Les manifestants emmenés par le DAL font partie des 500 familles mal logées pour lesquelles le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, s'était engagé à trouver une solution le 22 octobre. Le ministre s'était engagé ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles hébergées en Île-de-France en hôtel, centre d'urgence ou simple préau d'école, à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère. Lundi, le ministère avait affirmé avoir relogé 31 familles et lancé le relogement de 115 autres. Le ministre doit recevoir le DAL début janvier pour faire le point sur tous les dossiers qui lui ont été remis par l'association et travailler sur une convention d'objectifs pour l'avenir. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.
好，今天的课就给大家